Salut tout le monde, c'est Yann SCR et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du playthrough sur Sonic Frontiers où dans l'épisode précédent on a découvert des choses. What the fuck, j'ai l'impression que les devs ont complètement oublié le lore de Sonic. Voilà, c'est comme ça que je résume ce qui s'est passé à l'épisode précédent. Enfin surtout à la fin de l'épisode précédent. Mais bon, voilà, c'est... Ou alors c'est moi qui ai sauté quelques trucs, parce que c'est vrai que... J'ai pas non plus joué à tous les Sonic, j'ai joué seulement à quelques-uns. J'ai sûrement sauté quelques étapes de ma vie de joueur et surtout d'appréciateur de la licence Sonic. Enfin bref, donc du coup on était sur cette dernière île qui est la toute dernière à laquelle il faut encore débloquer des choses, faire des mini-jeux à la con. Et est-ce que c'est ce que je pense? Oui, c'est ce que je pense. Oh putain, tu te fous de ma gueule. Ok. Non. Voilà. Voilà. Et là. Maintenant les deux là. Ça compte pas? D'accord, faut faire ça. Faut faire ça, d'accord, faut carrément prendre un petit peu d'élan. Très bien. Très bien, alors si maintenant les trucs pour découvrir sont être un petit peu plus difficiles qu'avant. Oh. Des trucs bloquants mais qui se débloquent quand on aura un petit peu avancé dans le jeu. C'est un ordinateur. Tout simplement. Ouais, ouais, donc du coup, ouais, du coup, ça va être un peu un épisode exploration, hein, enfin, exploration. Dégommage d'ennemis qui sont devenus beaucoup plus difficiles qu'avant. Ouch. Voilà, et effectivement, comme je le disais, ils sont devenus beaucoup plus difficiles qu'avant. Ça devenait beaucoup plus chaud qu'avant. Ils font deux cercles au lieu d'une, deux cercles de pique. Non mais... Et le bouton A... Non mais franchement, le timing pour appuyer sur le bouton A est beaucoup trop... Trop rapide. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le temps quand tu appuies sur le bouton. Mais vraiment, quand je dis t'as vraiment pas le temps, t'as vraiment pas le temps d'appuyer. Je veux dire, le bouton A apparaît et même pas quelques millièmes de seconde après, il disparaît. C'est juste ça. C'est... Mais voilà, regardez le moment où tu affiches et le moment où tu appuies et du coup ça valide pas. Ça valide pas parce que trop tard, fallait le faire avant. Mais mec, laisse-moi le temps d'appuyer. Je sais pas moi, merde quoi. Ça veut dire merde. Bon, du coup je vais reprendre tous les rings qui m'a été pris là. Parce que merde, j'ai quand même 500, une réserve de 516 de rings. Enfin normalement je devrais avoir une réserve de 516 de rings, mais... Voilà, donc, du coup, oh, une discussion avec Sage. Alors oui, je vais faire dans l'ordre, je vais d'abord découvrir toute l'île. Après, je vais faire du coup les niveaux qui nécessitent de récupérer des clés. Et une fois que j'ai fait les niveaux qui nécessitent de récupérer toutes les clés, qu'est-ce que... Oui. D'accord. Ok. Ok, merci pour cette petite balade. Donc ouais, une fois que j'aurai récupéré toutes les... De quoi le truc là? Ah non, le truc qui est juste ici. D'accord, oui, non mais... D'accord, Sonic, on ira voir après. D'abord, découvrons des choses. Découvrons ceci, notamment. Pourquoi il y a des trucs comme ça? Ah mais...
ça. D'accord, ça servait à rien, ça sert juste à revenir. Bon, ça sert à rien d'être ici du coup, si j'en conclue ce passage. Du coup, oh, de la corde à sauter, ça fait un long moment, tiens. Corde à sauter. Oh, what? Putain, mais il est plus rapide qu'avant. Il est vachement plus rapide. Mais il est plus rapide. Oh. Wouah. Non mais il est trop rapide. Il est beaucoup trop rapide là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est beaucoup plus rapide qu'avant cette corde à sauter. Bon. Hop. D'accord, je crois comprendre à peu près le timing. Reprenons. Là. Ok, je vois. En fait, le temps qu'il fasse le truc. Voilà, le temps qu'il fasse le truc, ça vaut un saut. D'accord. Je comprends mieux. Mais il est chaud quand même. Faut pas dire le contraire. Hein. Du coup, il y a encore un truc à découvrir précis. Il y a l'émeraude. Oh là là. On découvre l'émeraude par accident. ici, il y a des trucs à découvrir. Des cœurs, notamment. Des cœurs pour une conversation avec... avec Sage. Est-ce que je vais au bon endroit? Oh, punaise, il faut que je monte ce truc. Il faut que je monte ce truc, très bien. Donc il faut, dans tous les cas, que je passe par là. Oh punaise. D'accord. Tout doux, Sonic. Tout doux. Ah. Ok, ça sert à rien. Et ça, j'imagine que c'est l'entrée vers le boss. Le dernier boss. Très bien. Donc, du coup, ça mène où ça? Dis-moi que ça me mène en haut. Ça peut me mener en haut. Voilà, exactement à l'endroit que je voulais aller. Pile à l'entrée de ville. Oh, c'est une course. Voyons voir. Vers où devrais-je aller? En face, n'est-ce pas? Hein? Oh putain, tout en haut! Ah ouais! En combien de temps? En 44 secondes! Bah, let's go! Let's go! Tout simplement! Et je crois voir des nouveaux ennemis avec notamment le... Oh putain! Avec les oiseaux volants là. Que je n'ai encore jamais vu. Et ces espèces de mouettes volantes. Mais en tout cas, ça découvre cette zone. Ça découvre aussi que cette île, elle a l'air vachement immense. Beaucoup plus immense qu'avant. Du coup, Sage! Mais j'ai vu qu'apparemment j'avais pas assez de cœur pour faire la conversation. Non. Ouais, bon, je dois tomber. Malheureusement. Ou alors, je repasse par là. Puis je repasse par là. Puis je repasse par là. Et là, j'y suis. Il faut juste que je prenne ça, en fait. Pour parler avec Sage. Non! Non, apparemment, non. Faut pas que je prenne ça pour parler avec Sage. Ah. D'accord. Non. Je me suis trompé de bouton. Je voulais sauter après avoir fait le dash.
Il n'y a pas moyen? Si, il y a moyen. Il y a quand même, il y a toujours moyen de revenir sur ses pas. Je veux parler avec Sage, c'est possible? C'est possible d'être sage comme une image? Lol. Non, je crois que c'est pas possible. Alors, comment je vais faire? Non, non. D'accord. Comme ça. Très bien. Ensuite, prendre ces deux cocos. Knight of the... Ah, mais je connais Knight of the Wing! Attendez voir. Attendez voir. Knight of the Wing, il est où? Knight of the Ring. Knight of the Ring. Meilleure musique au monde. Non, 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 franchement, Night of the Ring, écoutez-le, c'est... Bon, ok, certes, ça vient du pire jeu de Sonic, mais hey, cette musique est classe. Cette musique est classe. Y'a pas à dire, je refais de la connerie d'avant que je voulais absolument pas faire. Bon, c'est pas grave, il suffit juste que je refasse, hop, je passe par là. 145. Mais quoi? Il te faut 145 heures pour qu'on puisse te parler à toi? Bah si c'est comme ça, je vais continuer à découvrir des choses, notamment des choses par là. Et voir si tu veux faire la conversation à partir de là, parce que je vois qu'il y a une conversation à partir de là. Bref. Mais ouais, Knight of the Ring. Et encore, je vous ai seulement mis le début de la musique. Je vous ai même pas mis les moments où ça chantait. Donc, parce que oui, cette musique, ça chante, bien entendu. 5. Ah, il me manque 5 pour parler à elle. Encore du Tetris. Bah écoute, d'abord ça. Ensuite, regardons la deuxième pièce. Je dirais que c'est le jaune après. Donc le jaune après. Le jaune, le jaune, le jaune. Je dis pas de conneries. Yes. Après le jaune, le bleu. Ce qui me semble logique. Ensuite, le noir, puis le violet. Et le noir, il est là, le noir. Ou alors le violet et après le noir. Attends une minute. Oh non, c'était un piège! Le noir, tu dégages. Le noir, tu dégages, c'était un piège. Non. J'ai dit le noir, tu dégages. Ah putain, ça dégage tout! Non, je te dois recommencer depuis le début. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, j'ai dit... Pourquoi tu veux pas entourer? Là, voilà. Ce qui est chiant, c'est la cinématique qu'il fait à chaque fois. J'aurais bien aimé enlever cette cinématique, mais je peux pas la... Je peux pas la... Oh, non, je peux pas. Je peux pas la saper. Et enfin, d'abord le violet, et ensuite le noir. Parce qu'il nous a bien brain, en fait, le Salico, avec le violet et le noir. Là. Voilà. Alors, qu'avons-nous découvert? Plein de trucs. Plein de choses. Trop de choses, même. Je dirais beaucoup trop de choses. Notamment un combat de mini-boss, par là-bas. Qui pourrait nous donner des suppléments. Mais qu'est-ce qu'il y a par là, par contre? Parce que j'ai l'impression que par là... Ah. You stray from the path. Turn back. Complete your mission. Alors, sachant que tu es la méchante du jeu, pourquoi je devrais t'écouter? Tu es la méchante du jeu, là. Tu es la méchante... Hey. Mais, t'es le méchant du jeu. Excuse-moi, pardon. Depuis quand je dois oublier aux méchants du jeu maintenant? Ça n'a pas de sens!
Ça n'a pas de sens! Ça n'a pas de sens! Au secours! Bon, apparemment, le méchant du jeu est overcraqué. Là, il y a. Ça va ouvrir. Pour y libérer des cocos. Il y a deux cocos par ici. Mais moi, à la base, je le cherchais. Ouh! Mais qu'est-ce donc? Est-ce que j'ai. Ah non, même pas. Je croyais que c'était une énigme qui permettait d'ouvrir d'autres visibilités de la minimap. Mais pas du tout. Bon. Je voudrais bien. En plus. Ah merde! Putain, je me suis trompé de touche. Non, je me suis trompé de touche. Voilà. Ok, donc il n'y avait pas d'autres. D'autres cœurs pour pouvoir discuter avec. Avec celle qui se prénomme Sage, qui soi-disant serait sage comme une nage. Bon, techniquement, oui, parce qu'elle a changé. Elle a changé, enfin, changé de camp. Plus ou moins changé de camp, on va dire. Hop. Et du coup, ça servait à quoi ça? C'était pour accéder là-dessus? Ah. Là, il y a un coco à laquelle il faut qu'on le récupère. Bon, non. Donc, du coup, ouais, il n'y a rien de. Ça, c'est pour aller où? C'est juste pour aller en face, ça n'a aucun intérêt. Et ça, là, c'est juste pour monter, en fait. Ok, donc en fait, vous allez être en train de me dire que sur ce côté, il n'y a rien, quoi. Sur ce petit bord, il n'y a rien, à part une petite musique. City Escape! Bah écoute, on va l'écouter. Ah! Oui, c'est Follow Me! Qui est aussi la musique. Non, c'est dans la musique de Sonic Adventure 2. J'allais dire Sonic Adventure 1, mais non, pas du tout. Follow Me! Ou 4, 1, 2, 3. La 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 la. Bref. Je vais peut-être éviter de me répéter la voix. J'ai déjà eu de mauvaises expériences en me pétant la voix. Comment on remonte par contre? J'aimerais bien remonter. Voilà, comme ceci. Très bien. Très bien, comme ceci. Par contre. Il me semble qu'il faut encore que je cherche 3 cœurs pour pouvoir parler à elle. Où est-ce qu'elle est? Elle. 3 cœurs nécessaires. Où est-ce que je peux trouver des cœurs? En faisant bien entendu des galipettes, n'est-ce pas? Où est-ce que je peux... Là. Par exemple. Ici. Si je fais une galipette à partir d'ici. Et ça ne sert strictement à rien, il faut que je trouve le début. Début qui se trouve être par ici. Voilà. Parfait. Là, il y a la fameuse bulle. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas répondu sur une bulle. Ensuite, ici, il y a forcément... Ah oui, mais attention, faut trouver le début. Non, même pas. Mais là, il y en a. Alors là, comment tu peux y accéder? Tac, 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 tac. Ouais. Mais encore. Avec ça. Avec ça. Voilà. Fallait le trouver. Fallait le trouver. Voilà. Oh, bah ça m'en a donné 2. Ah bah c'est parfait, bah on va pouvoir faire la papote avec elle. Dis-moi des choses intéressantes. Ou pas forcément intéressantes. En fait, dis des trucs, c'est tout. Des trucs. Parfait. Elle a dit des trucs. Yo, so did cyberspace actually interact with my brain? D'accord, donc elles peuvent maintenant donner des informations sur ce qu'elles
That is plausible. It imported the data of your memories and applied it to your surroundings, so you could comprehend them. Maybe that gave me the edge I needed to escape each time. I was covering familiar ground. Go me. Uh-huh. Donc ça veut dire qu'en fait on est dans la tête de Sonic. En fait Sonic depuis le début il est dans le coma. C'est ça l'histoire. C'est ça toute l'histoire. Sonic est dans le, depuis le début dans le coma. Et en fait on est en train de jouer ce que Sonic a visualisé dans son coma en fait depuis le début. En fait l'accident au tout début du jeu d'avion, en fait Sonic est tombé dans le coma suite de l'accident. C'est ça hein. Non mais vous pouvez dire que c'est ça, c'est... Alors, ok, il faut passer par là. Et ensuite... Là... Ah... Faut pas se louper... Faut pas se louper... Parfait! Par contre, il y a pas mal de pétales de rose sur ce, dans cet endroit. Il y a beaucoup de roses même. Il y a le vieux. Il y a le vieux. Le vieux. Le vieux. Le vieux. Ah, il y a encore le même type qu'on a affronté qui était super simple à affronter. Parce qu'il suffisait de se... Oh putain. Ouais, alors par contre, allez... Ah. Putain, par contre, il est derrière des rochers. Et là, il a fait le A. Alors qu'à chaque fois, j'appuyais sur le A au moment où il me le demandait, et il le faisait pas. Voilà. Bon, écoute, le vieux. Je viens te voir immédiatement. Parce que là, c'est un peu la merde. D'ailleurs, le vieux, il est à côté... KOS émeraude rouge. Le vieux! Oh, j'ai bien dormi! Oh, tu as l'air du rouge, tu as besoin de mes talents! Bien sûr, j'ai besoin de tes talents, donne-moi de quoi attaquer plus fort et de ne pas me faire plus. Voilà. Donc, 66 en attaque, 68 en défense. C'est bon. C'est bon. C'est bon, le vieux, tu peux te reposer, tu peux te rendormir. Ok, donc... Oh! Oh, une clé! Bah, direct! Il m'en faut 3 si je veux la première émeraude. D'accord. Bon, après, on irait récupérer aussi des clés chez Big, hein. On n'est pas obligé de forcément faire les niveaux classiques. Mais on doit forcément faire les niveaux classiques. Donc, pour l'instant... Pour l'instant, on va déjà faire découvrir tout ce qu'il y a... On va faire tous les mini-jeux de découverte de l'île. Oh, attendez, il y en a un plus près, là. Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Tu crois que je t'ai pas vu, wesh? Ah, il y a ça aussi. Oh, j'avais pas vu ça aussi. Et comment on y accède à cette île, là-bas? Oh, ne me dis pas qu'il va falloir qu'on patiente, qu'on fasse... qu'on attende une cinématique pour accéder là-bas, quand même. Oh, faut attendre une cinématique pour accéder là-bas, non. À moins que... Non, il y a peut-être moyen d'accéder à cette île. Il y a peut-être moyen d'accéder à cette île. Il y a peut-être moyen d'accéder à cette île. En passant par là. Ah putain! Mais si! Faut une cinématique pour... Putain, alors ça sert à rien que je cherche... Bon bah écoutez, soit. Faisons du coup le tout premier niveau qu'on a laissé de côté. Non, 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 non! Sonic, Calmus, d'accord. Calmus. Oh, il y a pas mal de cocos ici. Il y a pas mal de cocos. Il y a pas mal d'ennemis aussi. Bon écoutez. Oh non! Oh non! Pas les trucs qui... Voilà, si les trucs où tu vas avoir ça pendant tout le long. Il y a aucun souci, il y a aucun souci. Repopé!
Repopé ! Après tout, c'est pas comme si à la base je voulais faire autre chose que ça. Et qui dure toute la nuit de plus est. Bon, je le fais quand même, mais... Mais voilà, c'est juste pour que après ils se débarrassent. Oh ! Il y a encore le voleur de d'émeraude. Que j'appelle le voleur d'émeraude. C'est lui qui pique les émeraudes. Mais attends, Ah oui, non, c'est Big. C'est Big, ça. C'est Big. Là, il y a des trucs de pêche à récolter. Voilà. Allez, c'est... J'aime pas à cause de justement du jackpot, comment le truc de jackpot ils l'ont mis. Mais là du coup je suis déjà au max en nombre de pièces de... Oui c'est ça, je suis déjà au max, on n'a pas le droit d'avoir plus de 999. Alors, c'est bon là, on a notre passage illimité. Bah, une clé gratos. Une clé gratos. Comme quoi. Essayons de ne pas perdre ring pendant... What ? J'étais en pleine animation de combat, comment il peut ? Mais comment ? Comment en pleine animation de combat il peut quand même réussir à m'attaquer ? Ouch. Ouais, du coup... Il a Osef de... Putain! Et t'es chiant! T'es chiant! Toi, t'es vraiment l'ennemi le plus casse-couille que j'ai affronté là. Sonic, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, Sonic? Oh! Il a donné. Intéressant. On en a encore un. Faut encore une barre de. Encore une barre de vie. The fuck. Non, je vois pas. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il a... Non. Il avait un engrenage, Sonic. Mais Sonic, sois pas con. Putain, Sonic. Retourne là-bas, Sonic. Retourne récupérer ce que t'as pas voulu récupérer, là. Là. Sonic. Voyons. Parfait! Donc, du coup, les ennemis et ainsi que les mini-boss qu'on a français sont revenus. Parfait! Parfait, parfait, ça, après tout, c'est pas comme si. Oh, j'adore l'effet de pluie que ça fait quand tu tournes. T'as la pluie qui tourne, lol. La pluie qui tourne, lol. Bon, écoutez, on va faire ce niveau classique ou. Merde! Parce qu'au bout d'un moment, à la base, on était censé faire ce truc là-bas. Ah oui, et eux aussi, ils sont repop. Bien sûr. Là, on est censé faire ça. Là, il y a un coco à prendre. Voilà. Pour augmenter après ses capacités en ring. Mais aussi, peut-être un peu sa vitesse aussi. Parce que c'est vrai qu'on court pas très vite. Bref. Allons faire ce niveau classique et récupérons la première Chaos Emerald. On peut passer ça, hein. Ça sert à rien de...
Alors, dans quelle sauce vais-je être mangé? Eh bah écoute, la sauce la plus facile à ce que je vois. Ouais, je m'en doutais aussi. Oh putain. Par contre... Oh non, non, non. Sonic, pourquoi? Bon, faut sauter, hein. Je crois que c'est la seule solution. C'est, il faut sauter. Non. Non, ça... Mais ce... Mon joystick était mis en avant. Pas à gauche. Tu fais quoi, Sonic? Non, sérieusement, quoi. Non, mais je vous assure, mon joystick, il était vers l'avant, il était pas sur le... Je comprends pas pourquoi il s'est mis à... Non, mais... Sonic, Non, mais... Sonic, t'as pété un plomb! T'as pété un plomb, Sonic! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as jamais fait ça avant! Pourquoi tu... D'un coup, tu fais n'importe quoi? Sur des trucs simples! Des plateformes simples! Putain! Sonic! Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend, Sonic? Oh! Et donc, on peut se diriger avec? Ah non, même pas. T'as juste tout droit et c'est tout. Oh putain, il surfe! D'accord. Ah non, il fait de la planche à roulettes, d'accord. Je me suis dit, il surfe parce que, ouais, dans Sonic Adventure 2, en fait, il surfe et du coup, il surfe quoi. Bref. Du coup, une seule étoile, forcément. Forcément, il a fait n'importe quoi au début. Il fait toujours n'importe quoi au début, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi. Je... J'avoue que là, Sonic, il fait un peu n'importe quoi maintenant. Il suit plus du tout les touches que je lui impose. Bon, on sait qu'on en a un, c'est bon. Et du coup, ça nous avait ouvert ceci. Bah écoute, on va récupérer la première émeraude. La chaos émeraude. Et pourquoi j'ai... Merci. Oh non! Mais je vous emmerde! Mais il a vu la parade! Connard! Il a vu la parade. Ne me dis pas qu'il faut que j'active à chaque fois. Putain, faut que j'active à chaque fois la parade. Mais qu'est-ce que c'est cette merde? Sonic, il ne... D'habitude, j'ai pas besoin de réactiver, mais là... Là, il veut que je réactive. Ok. Pas de soucis. Il faut que je réactive les parades, apparemment. C'est bon, vous êtes calmé? Vous allez rendre ce que vous m'avez piqué là Merci. Ah mais merde. Au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Voilà. Merci. Bordel. Bon. Alors, du coup, la chaos émeraude. Ah oui, faut y accéder à cette chaos émeraude via un truc. Via tout ce ziguigui à partir d'ici, là. Il y a le vieux aussi, qu'il faudrait qu'on parle.
Voilà. La Chaos Emeraude. On laisse la cinématique ou pas? On a déjà vu la cinématique. Est-ce que ça nous met une autre cinématique? Non, ça nous met pas d'autres cinématiques. Et du coup, obtenir plus de clés, forcément. Forcément, faut que je cherche les clés. Mais avant de chercher des clés... Putain, il y a pas mal de trucs. Il y a celui-là que j'ai pas réussi à affronter. Il y a ce niveau-là à faire. Il y a d'autres endroits à explorer. Il y a ça à explorer. Il y a pas mal de trucs, en fait. Il y a pas mal de trucs. Il y a les trois trucs. Parlons à ce vieux-là. Alors, je veux que tu améliores ma capacité en règne. Je veux que tu re-améliores ma capacité en règne. Ensuite, je veux que tu améliores ma vitesse. Puis, je veux que tu améliores ma capacité en règne. Puis, parce qu'il il va encore me faire un puits, n'est-ce pas? Alors, la vitesse, encore la capacité en ring, puis la vitesse, la capacité en ring. Bref, t'as compris le schéma. Capacité en ring, vitesse. Ah, c'est tout. C'est tout, donc capacité en ring, c'était le dernier truc. Donc on va du coup se mettre déjà à donf. J'ai l'impression qu'il va de plus en plus vite et que du coup il est de moins en moins incontrôlable. Ah oui, il y a lui. Est-ce que je tente? Écoutez, je vais tenter, j'ai pas compris comment il fonctionnait avant. Quoi? Attends, ils étaient dans le cercle intérieur? Je croyais qu'ils étaient dans le cercle extérieur. Ah non, il y en a un. Ah non. Je comprends plus rien. Bon, on va quand même réussir. Et là, c'est quel cercle? C'est extérieur. Putain, c'est cercle extérieur. Il veut pas que je change. Ah là, il veut que je change. Et maintenant, c'est là que je comprends pas. Je fais cette petite boule. Et ensuite. Son point faible, il était derrière. Mais voilà, il fait ses petits lasers à la con là. C'est quoi ces petits lasers à la con là? Sale cheater de merde. Allez, crève! Sale boule à la con! Voilà! Non mais oh! Ça va là, tu te sens plus fort que moi là? Maintenant? Hein? Déjà l'épisode précédent, tu m'as bien fait chier! Notamment sur le fait que à chaque fois que je spawn, je devrais te combattre! Bon, j'ai quand même réussi à m'échapper au bout de la troisième fois, mais. Ça s'appelle de l'anti-jeu ça! Voilà! Surtout qu'en plus, tes lasers, ils font bien mal. Hein. Franchement, un seul coup de laser. J'ai pris seulement un seul coup de laser. Je suis passé de 540 à 300. C'est dingue le nombre. Et encore, j'ai amélioré ma défense. J'avais amélioré ma défense. Et malgré tout, voilà quoi. Ça devient un peu chaudasque. Ça. Y a pas à dire, t'es hardcore comme mini boss. Bon, deuxième niveau.
Deuxième niveau, on peut saper ça, bien entendu. Pas la peine de... Voilà. Ah, ça a l'air d'être un niveau spécial, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Je pensais que c'était le niveau que j'appelle niveau style bonus. Mais en fait, pas du tout. Ah si ! Si, c'est aussi un niveau style bonus. Mais en plus hard. Mais en beaucoup plus hard qu'avant. Heureusement que j'ai pris le checkpoint. Ok, avec du coup les fameux hélicoptères de la gun. On sait même pas ce qu'ils foutent là, la gun. Ah oui, c'est vrai, on est dans la tête de Sonic. Sonic sort d'un coma, c'est vrai. On l'avait dit ça avec la discussion avec, avec Sage. Sonic sort... Enfin non, Sonic est dans un coma. Prenez cette info comme bon vous semble. Et c'est comme ça que j'interprète la conversation qu'il a eue avec, avec Sage. Hey, zéro dégâts. Zéro dégâts. Zéro fail. Bon, j'aurais pu le terminer avec un rang... Non, peut-être pas avec un rang S, faut pas déconner. Vu le temps qu'ils mettent. Mais j'aurais pu le terminer avec 5 rings... 5 rings rouges. Bref! Du coup, on peut passer ceci et on peut passer l'obtention des clés aussi. Ça nous ouvre même pas le chemin pour continuer vers l'autre Chaos Emerald qui se trouve ici. 28 clés! Pardon! 28 clés! T'as pété un câble? Et il a pété un câble. 28 clés pour déverrouiller la prochaine... Non, 4 clés pour la rouge. Ok. Mais 28 clés pour la blanche. Non, là t'as déconné, là. Je vais aller chez Big, je vais les acheter, les clés, là. Non, mais là, c'est... Oh, hé, hey, oh. Hein, hé. Hey. Non, mais je voulais voir ce qu'il y avait. Non, Sonic. Sonic. Là. Le truc là. Là. Qu'est-ce donc? Que quoi? Ok. Oh punaise. Wouhouhou. Ouais, c'est un petit parti level un petit peu chaud d'Axe là. Ok. Ouais, alors moi je voulais aller là-bas. Alors le mieux serait que peut-être que je prenne le rail raccourci. Que j'aime appeler le rail raccourci. Oh, il y avait des cœurs. Je voulais récolter ça. C'est important pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre le scénario, c'est important. Même si j'ai déjà compris. En fait, on est dans la tête de Sonic. Parce que Sonic est dans le coma. Non mais je reste sur cette info, même si c'est plus un Axtox qu'une info. Oh merde. Encore lui. Encore lui, non. Non, pas une deuxième fois. Pas une deuxième fois. S'il te plaît, mec. Laisse-moi tranquille. On s'est déjà assez affronté. Oh putain. Ouais. Ah non, c'est bon.
C'est bon, je peux la traverser. Enfin, je peux la traverser. D'un certain point de vue, je peux la traverser, ouais. Est-ce que c'est à partir de ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc là, il y a un endroit... Oh, une conversation avec... déjà, ça, pour moi, c'est... Voilà, des cœurs. Au cas où qu'on n'a pas assez de cœurs. Oh, ils sont sympas. Mais ouais, faisons une conversation avec, avec Sage. Alors, qu'as-tu à dire ? The ruins were tech the ancients used to upload thoughts into cyberspace, but not their bodies. Correct. They desired to archive all their achievements, creations, and knowledge. On peut archiver notre cerveau ? They pass it between their own people. They could pass it on to those who inherited this world from them. This way, they could pass on not only technical knowledge, but their cognizance and intentions as well. Leur intention, je crois pas, non, mais bon. That's pretty amazing. Mais ouais, ça a une sacrée technologie, ça veut dire que... Parce que si on est capable de mettre tout ce qu'il y a dans notre cerveau... Oh non, c'est pas vrai. Laissez donc, si on est capable de mettre tout ce qu'il y a dans notre cerveau dans une base de données, alors on est capable d'être immortel. Parce que après, ce qu'il y a dans notre cerveau, on peut s'en servir peut-être, qui sait. On sait jamais avoir un robot qui sera suffisamment puissant pour interpréter tout ce qu'il y a dans notre cerveau. Et du coup, pouvoir revivre une fois qu'on est mort. Je me fais peut-être énormément d'illusions, mais... Mais c'est comme ça que j'interpréterai les choses. Du coup, ici... Alors, où est le... Voilà. C'était ça. C'était un truc qui se faisait de nuit, c'était un truc qui se faisait de nuit, bien entendu. C'était un truc qui se faisait de nuit. Bon, écoutez, je pense qu'on a eu pas mal d'informations. Et il y a encore pas mal de trucs à... Allez, on va quand même faire un dernier truc. Alors déjà, récolter celui-ci. Et ensuite... Alors, déjà, il y a quoi là-dedans? Ça a l'air d'être un truc pour aller en haut. C'est un truc pour aller en haut. Non, non. Je le ferai pas. Donc là, il y a une Chaos Emerald, la rouge. Ok, qui montrait encore 3 clés pour y accéder. Là, il y a quand même un truc que j'avais pas. Des cœurs. Des cœurs, voilà, il y avait des cœurs. Mais moi, ce que je cherche, c'est ce qu'il y a là-bas, exactement là. À travers cette forêt. Ici! Il y a de quoi t'arriver. Oh, le labyrinthe! Écoutez, on va faire un labyrinthe. Bon, ça va! Plutôt facile! Je me suis dit, en voyant le truc, ça a l'air dur, mais en fait, non, pas du tout, c'est plutôt facile. Bon, écoutez, c'est avec ce dernier truc que je vais peut-être arrêter cet épisode. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, punaise, il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs à découvrir. Et c'est pas mal de trucs qu'il y a à découvrir. On les découvrira dans le prochain épisode. En tout cas, j'arrête là pour cet épisode-ci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, là, commenter, partager la vidéo à vos potos. Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, voire même la suite de ce Playtug, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la cloche de notification. Oui, je fuis. Je fuis et même, je crois même, je vais pas au bon endroit. Bref, c'était Yann SR, j'ai eu des trucs. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande PGM.